combattant. Il avait 10 ans, il n'avait que 10 ans. Et au champ de guerre, il trempa la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman. Et dans la lettre, il lui dit: chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Pour combien de temps, je n'en sais rien, maman. De guerre, il n'y a pas de sentiment. Et j'ai besoin de votre soutien pour que ce jubilé puisse réussir. Parce que c'est une première et, comme c'est un joueur populaire, on en parle dans tout le monde entier. Peut-être vous ne savez pas, mais c'est un joueur qui a roulé sa bosse et vraiment ça a réveillé même les morts. Ce jubilé a fait tout le monde par rapport aux réseaux sociaux ont été interpellés et vraiment. On réagit d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne saurais être long parce que le stade n'est pas éclairé. Donc, je vous demande seulement de rendre, d'enjoy le football, comme on dit. D'enjoy le football. Le football, c'est un art. Donc, il faut vraiment que les spectateurs qui viennent aujourd'hui, qui sont venus aujourd'hui, puissent voir ce que chacun peut faire sur un terrain de football. Et vous aurez encore une chance de voir Issama Bourel une dernière fois sur un stage. Et vraiment, je vous dis qu'il est prêt. Faites attention. Allez, je vous le passe. Merci. Il essaie de donner à Goladjamba. Goladjamba qui essaie de chercher sur le ballon. Il essaie de faire quelque chose. Ils ont donné ça à l'international tchadien. Alors il a donné le ballon à l'ailier. L'ailier va essayer de faire quelque chose. Il est en train de partout. Passe raté. Alors les gars de Douala reviennent en position de ballon. Alors monsieur Abon, il tourne sur lui-même. Il est sous le contrôle du ballon. Il donne le ballon à monsieur Abon. Monsieur Abon qui fait le contrôle. Alors monsieur Balaken qui est sous le ballon. Le dessin du montant, les gars, les doigts là. Qu'est-ce que le sel fait? Oh là là! Ils sont là à la tribune présidentielle. Alors un ballon qui est reparti. Oh, il lève la tête, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, c'est de l'autre côté de la surface. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Les gars de Douala ont récupéré le ballon. Ils essaient de remonter par M. Abon. Ah oui, Bekatel a récupéré le ballon. C'est lui qui a marqué tout à l'heure, M. Bekatel. Alors, récupéré par la défense. Les gars de Douala, M. Assem récupère le ballon. Il envoie à l'ailier. À l'ailier. Kérichiri fait un grand saut de l'autre côté. La surface. Mais c'est dégazé. Ma vie va changer. Mon frère est en haut. Au village. Papa Gérard. Monsieur Emma, Marco, Monsieur Ousmane, en ces mains, ils sont en train de venir donner un coup d'envoi. Ça, c'est le match qu'on a entendu. Papa Gérard, Papa Gérard, la diaspora, Monsieur Sabagouret, alors il va lancer le coup d'envoi, il va tirer. Du football camerounais, évoluant et de résir, un ballon qui est parti dans le flanc droit par monsieur Mbongue. Mbongue, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de faire ça. De la formation, n'est-ce pas, des doigts, le champ du pied droit. Il renvoie la passe par le pied gauche à Issama Bourel qui renvoie un ballon dans les 18 et c'est 50. Un ballon dangereux dans la surface de réparation. Qu'est-ce qui va se passer par ce Sionda qui essaie de peser de tout son poids? Alors il renvoie le ballon dans le... Tango qui le renvoie carrément le ballon, il essaie de faire une pénétration dans les... Alors il donne le ballon à l'ancien Issama Bourel. Issama Bourel qui contrôle le ballon sur lui-même. Il essaye de penser quand il avait les 25 ans. Quand il joue, celui-là qui dit au revoir, n'est-ce pas, au ballon. Yeah! 1-0, l'ancien Issama Bourel. Ça a donné le ballon. Il a donné au revoir. Oui, Issama Bourel.
Je ne doute pas de l'amour tout de même. Quelquefois l'amour embête quand même. L'amour est pourtant meilleur que le rêve. C'est ridicule quand même. Les anciens quoi? Tous ceux qui ont des rêves, les meilleurs des rêves. A tout seigneur, tout honneur. C'est des femmes et Dieu le bien ici ce soir. C'est tous les médecins sans rêve. Y'a là tout le dilemme. Il est si joli l'amour quand il commence. La main dans la main partout. Dans la vie, tu as un début, tu as une fin. C'est juste une fin professionnelle, mais je vais toujours rester actif, juste pour garder la santé. Et on a vu comme déjà quelqu'un que normalement. Donc chacun roule sa bosse, chacun a avec son CV à Dieu là. Et chacun a bonne occasion pour venir trouver. Allez, pour la santé. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour le soutien. Alors, Francis Yonga, on est pas là. Francis Yonga qui est le national en plus bas. Je viens, ça marche, je viens, Monsieur Sama Borel, je vous remets le micro pour dire quelque chose à la jeunesse. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et bonsoir. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Un grand merci. Au départ de cette histoire, je remercie principalement les jeunes frères qui m'ont encouragé à le faire. Vous voyez, aujourd'hui, je porte le numéro 53. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire que le 25 juin dernier, j'ai fêté mes 53 ans. Et j'ai dit, mes petits frères. Et là, les petits frères, j'ai envie de faire quelque chose. Ça fait quelque, plus de 7 ans que je suis avec vous. Je n'ai jamais eu à fêter. Alors, je compte fêter mes 53 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi pas le jubilé? Et c'est ça qui m'a donné la force et le courage de le faire. Et tout ceci avec tout le monde ici présent. Comme chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, je vous ai dit, je n'ai pas envie de faire une fête. Je n'ai pas envie de faire un grand événement. J'ai envie de faire un grand rassemblement où je peux retrouver tous les Camerounais autour de cette histoire. Juste pour montrer que le Camerounais est toujours uni. Et ça, j'en suis très fier aujourd'hui. Vous êtes là. Et vous êtes ma fierté. C'est tout ce que je peux vous dire. À vous, mes jeunes frères, je peux vous dire une chose, c'est que au début du premier match, j'ai failli avoir les larmes aux yeux en vous voyant jouer. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que vous, mes jeunes petits frères, plein de qualités. Plein de qualités. Et ça me fait mal que vous ne poussiez pas jouer dans les équipes. Mais seul Dieu sait pourquoi. Une fois de plus, à tous mes petits frères ici, à tous les chefs de famille, à tous les invités qui sont venus, les docteurs, papa de là et autres là, un grand, grand merci. Un grand merci que vous avez monté à toutes les Camerounais, les familles au Cameroun. Tout le Cameroun est invité à se jubiler, à ce rassemblement. Et je m'excuse. Principalement auprès des associations à Jakarta, parce qu'il y a eu manque de temps. Par rapport à la date et tout et tout, ça veut dire que je n'ai pas pu venir auprès des familles pour les décisions. Je n'ai oublié personne, c'est le cœur qui dit. C'est vrai que les excuses ne suffisent pas de la bouche, mais je vous dis de plein cœur, je vous demande de m'excuser auprès de toutes ces familles, auprès des gens qui se sentent frustrés. Et pour être plus, merci. Merci les Ivoiriens. Merci tout le monde qui est venu là. C'est l'Afrique qui est en fait. Merci beaucoup. Formidable quand même. Dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi tout de même. Les histoires d'amour ne sont jamais les mêmes. Dis-le-moi que tu m'aimes. Avec un yaba béni tout noir. Yame te vitawa. Angola maritama. Dis-le-moi que tu m'aimes. C'est bon. De l'ancien. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Amoureuse, amoureuse, du bout des lèvres. Amoureuse, amoureuse.
fièvre, amoureuse, amoureuse, semblant d'amour. Dis-moi que tu m'aimes.